médicologue généraliste dans le colon Sylvain d'Adjoun qui a fabriqué plusieurs médicaments à base des plantes. Il nous dira comment il est arrivé à conserver les produits, comment fait-il le choix des plantes compte tenu de leur toxique et effet. Il nous dira aussi s'il envisage agrandir son centre pour un centre de soins purement moderne pour la prise en charge des traitements des maladies. On m'appelle Sylvain Talokono. Je suis pharmacologue généraliste à Adjoun et j'ai créé une structure pour fabriquer les médicaments de manière galénique qu'on ne trouve pas redit de toxicité. Non, j'ai été faire les analyses et maintenant je crois que ça va au niveau du ministère de la Santé, mais je ne cesse pas de produire et j'ai beaucoup d'ouvriers à ma charge. On essaie de fabriquer les médicaments tous les jours, parce qu'on ne peut pas suffire au Bénin. Et même en Amérique, tout le monde entier, on peut venir chercher les médicaments, parce qu'on ne fait pas des médicaments n'importe comment. Il faut essayer de faire des médicaments améliorés et appréciés de tout le monde. Merci. Alors dites-nous, pour celui qui des plantes que vous utilisez, comment arrivez-vous à conserver ces plantes? Parce qu'on sait, souvent ça se gâte facilement. Oui, surtout en cette période où on est maintenant, il y a la pluie continue, quand le soleil ne sèche pas bien, il y a la moisissure sur certaines plantes. Et si nous on trouve ça, nous on évite directement parce que c'est des champignons qui vont développer des toxines dans le médicament. Donc on choisit, il faut choisir les plantes qui vont durer. Ça nous réclame les dates de péremption. Si c'est une feuille légère, la date de péremption qu'on doit mettre doit être plus courte. Et ainsi, nous autres, on prépare par exemple une tisane. Ça aura pris le temps de moisir, il y aura des choses à la surface. Nous, on évite cela quand on prépare un médicament. Il faut pasteuriser. Il faut d'abord avoir préparé les bouteilles à l'eau chaude, bien laver et encore les mettre dans les bols, sur le feu, dans les casseroles. Ça va encore cuire là, avant que vous mettiez un médicament chaud dedans, fermé et pasteurisé, pour être sûr que dans l'intervalle d'un à deux ans, il n'y aura pas de moisissure à la surface. Donc on fait ça, les ouvriers, c'est leur travail, et ils connaissent bien faire. Mais je ne m'éloigne pas. Je reste là pour surveiller et voir avec l'œil du maître. La santé de l'homme est vraiment primordiale. Pour ralentir les maladies dont court l'homme, le pharmacologue généraliste Dalokono Sylvain du village d'Adjoun a inventé plusieurs médicaments qui traitent des maladies comme hépatite virale, hypertension artérielle, prostate, diabète, pour ne citer que ceux-là. Le pharmacologue généraliste nous parle de quelques produits phares à base des feuilles. Pour le cas de l'hyperglycémie, le diabète, le taux de sucre élevé dans le passement sanguin, nous avons deux produits. Il y a Vitaline pour vider le sang du taux excédentaire de glucose dans le passement sanguin. Il y a Glycosel, même si c'est un diabète glyqué. On sait qu'il y a trop de sucre dedans. Glycosel, ce sont des produits amers qui baissent rapidement le taux élevé en quelques jours. Et maintenant, pour stabiliser ces taux, stabiliser le taux de diabète anormal à 0,70 g par litre de sang. On parle de trypanocytose. Trypanocytose, on fait le test. Il y a la forme AS, SS, CS, tout ça là. C'est que les globules rouges prennent la forme de S, d'un crochet, d'une faucille pour découper. Il y a des... Voilà, on parle de falciformation. Ce produit que vous voyez guérit la drépanocytose. Ça traite complètement la maladie qu'on appelle drépanocytose. C'est un médicament conçu à base des plantes, très efficace et qui travaille très bien. Nous allons parler de la stérilité féminine. Les causes sont irrégularité des menstrues. En attendant ce que nous avons prévu, dans notre langue du Bénin, il y a un médicament qu'on appelle Nadjivi Dantan. Je vais avoir
Donc, quoi, obligatoirement et infailliblement. Parce qu'on a l'habitude d'accuser les parents. Ah, une tante qui me regarde comme ça tous les jours, c'est lui qui fait, c'est elle qui fait que je n'ai pas d'enfant. Un oncle qui est mécontent lors des dots qu'on m'a donné, et puis, non, n'allez pas là-bas. Nous choisissons les plantes qui peuvent lutter contre la sorcellerie du village. Il faut dire, prends ton médicament, Nadjibi, Dandan. Ce qu'on appelle Dandan, autant de Kérékou, ça fait beaucoup de choses. C'est que c'est obligatoire. Et Nadjibi, Dandan. Une femme qui boit 24 flacons, je vais voir comment elle n'aura pas d'enfant. Autre cause de l'infertilité de la femme, c'est les kystes, une partie eau, une partie chair. Ou les myomes, tout est chair et ça attend encore sur les parois de l'utérus. Quand ça s'enfonce vraiment dans l'utérus, ça devient fibrome. Maintenant, voilà ce qui peut empêcher. Qu'est-ce que nous allons faire pour permettre que la femme soit vraiment fertile? Il faut pouvoir les enlever. Et il y a la chirurgie qui est là, qui peut les extirper. Nous, on ne fait pas cela. On prend un médicament qu'on appelle Colavon, qui est efficace contre kystes, myomes et fibromes. Quand la femme prend jusqu'à 8 flacons ou 6 flacons, on fait échographie, on ne trouve plus les traces. Pour cette raison, mais on ne boit pas ceci comme les autres médicaments qu'on filtre avant de boire afin d'empêcher les insuffisances rénales. Il ne faut pas filtrer les condiments, la tomate, le piment et les autres épices. On en fait ce médicament avec les épices. Donc il suffit de mettre 2 cuillerées dans un verre, presser le jus d'une ou deux oranges, bien malaxer et boire. C'est fini, chaque fois c'est ce que la femme boit. Chaque fois 2 cuillerées, une orange, chaque fois 2 cuillerées, une orange, et les kystes s'en vont, les myomes s'en vont, la voie est libre, les spermatozoïdes peuvent naviguer jusqu'au fond de l'utérus pour aller féconder l'ovule. Voilà. Il y a l'âge avancé, vers la cinquantaine déjà, nous garçons, on est soumis à une épreuve qu'on appelle l'adénome de la prostate. Vous urinez, vous avez des difficultés dans les émissions, dans les mixtions. Maintenant, vous avez cette difficulté-là, les reins, pour vous sentir de lourdeur à la vessie. Et vous êtes obligé d'abord de pousser avant de sortir l'urine. Ou bien ça ne parvient même pas à sortir, ou les médecins sont obligés d'utiliser la sonde. Donc, un médicament qu'on appelle Viamaline. Je l'ai créé en 2013 et amené au ministère de la Santé, ISBA, pour l'analyse. On a analysé cela, la toxicité. Et tout fait bien. On lui a donné le numéro 173 au ministère de la Santé, Viamaline, pour guérir l'adénome de la prostate infailliblement. L'adénome de la prostate peut se compliquer par le cancer de la prostate. Parce que la prostate la cherche partout, à tous les points où ça sort. Cancer de l'utérus, cancer des seins, cancer de la prostate, nous hommes là. Il faut se soigner ça. J'ai fait un médicament qu'on appelle pour la prostate à part, mais tout type de cancer, c'est Simfliril pour guérir toute forme de cancer. Réservé à la prostate seule, j'appelle ça Réozel. Ce n'est pas ici. On est souvent à court de médicaments quand les gens en achètent. Le corps peut arriver à tomber malade. S'il ne coule pas la bile, vous avez seulement la constipation. Vous n'irez pas bien à la selle régulièrement. Là, c'est une anomalie du foie. Mais il se peut qu'il y a le foie là, le foie qui souffre lui-même, c'est lui-même qui est malade. On appelle ça hépatite virale. Il peut arriver hépatite virale B, hépatite, mais c'est surtout B et C qui sont les hépatites graves. Pour cette raison, moi, j'ai fait EPA pure, guérison du foie. EPA égale foie et cure, curare, guérir le foie. EPA pure, guérir l'hépatite B et j'ai guéri beaucoup de gens avec cela. En 2013, j'ai composé, fait présenter l'épapure au ministère de la Santé à ISBA. On a fait l'analyse. On lui a donné le numéro 201. Lève-toi, il ne se lève pas. Alors que si à l'école, le maître dit levez-vous, on dit non, nous levons. Lui, il ne se lève pas. Il ne fait pas érection. Voilà pourquoi on fait érectum et niagel. Ça marche, il n'y a pas de problème. Ça là, on ne fait pas. Hein.
Nous-mêmes, on ne filtre pas. On met ça à 2 cuillères dans la bouillie seulement. Et quand vous finissez 1 à 2 bouteilles, vous êtes OK déjà. Et ici, quand vous, il faut finir au moins 6 doses pour prétendre refaire encore le spermogramme et avoir la main sur la progéniture. Pas d'enfant, il y a nocrosion et intromine. Pas d'enfant, pas de spermatozoïde. Il y a azoospermie, asténospermie, parce que les spermatozoïdes peuvent être là. Et la, leur flagelle n'est pas aussi rapide pour transcender. Donc pour cela, on en fait nocrosion ou intromine. La mine, normalement, qui ne devait jamais finir, intromine, mine intérieure, qui ne devait jamais tarir. Voilà que ça tarit chez d'autres personnes. On les soigne avec intromine et des oselles et ils deviennent papas.